Ben, je t'ai sauvé la vie, voyons. Tu n'as rien sauvé du tout. Tu viens de gâcher la scène d'action de mon film. Et moi, j'aime pas ça. C'était un rocher en papier mâché. Et c'était le rôle de ma vie. Tu t'en rends compte? J'aime pas la bande des mini-justiciers. Désolée, Loïs. Je ne savais pas que tu tournais un film. C'est toi, Lou. Lou, y es-tu? Oh non, c'est pas vrai. C'est le pull que m'a offert ma mère pour mon anniversaire. Je vais jamais oser rentrer chez moi comme ça. Super, maintenant mon pull est trempé. C'est vrai, Marion, t'es vraiment une pleurnicharde. J'aime pas la bande des mini-justiciers. Il est trop beau ton gâteau en forme de cœur. Vous parlez de gâteau? Tu m'en donnes? Bon, ben d'accord. Ben bravo, Eliette. C'était une surprise pour l'anniversaire de Marie. Mais tu as tout gâché. Moi, j'aime pas la bande des mini-justiciers. Des frites. T'inquiète, je vais remplir le bro, Jean-Louis. Moi, j'aime pas la bande des mini-justiciers. J'aime pas la bande des mini-justiciers. On n'aime pas la bande des mini-justiciers. On n'aime pas la bande des mini-justiciers. On n'aime pas la bande des mini-justiciers. Regardez-moi ça. On est en première page du journal de l'école. J'aime pas la bande des mini-justiciers. Un article de Carmen la langue de vipère. Elle dit que tout le monde en a marre de nos interventions. Oh, et de nos échecs. C'est vraiment mini, mini, mini. Alors en gros, tout le monde nous déteste. Ok, on n'est pas parfait. Et ça arrive qu'on fasse des bêtises. Mais tout le monde a le droit à l'erreur. Je crois qu'il est temps d'arrêter. S'ils ne nous aiment pas, ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls, hein. Flash info spécial. Un groupe d'enfants est actuellement coincé dans les profondeurs d'une grotte. Ces enfants voulaient tourner un film. Les secours semblent totalement impuissants. Un éboulement bloque tous les accès à la grotte. Faudra des heures pour dégager les gravats, en espérant que ça ne provoque pas un autre éboulement. Et avec la pluie qui tombe, nous craignons une infiltration d'eau. Les enfants risquent de se noyer si on ne les libère pas. Greg ? Oh, Marion et Nathan ? On doit faire tout notre possible pour les sauver, même s'ils nous détestent. Parce qu'on est la bande des mini-justiciers. Tu peux rentrer chez toi, Marion. On n'a pas besoin de toi. On est déjà assez mouillés comme ça. Libère le passage, Yvon. Petit. Suivez-moi. Derrière ces rochers, on pourrait se noyer. Elasto, feuille.
Ah, moi, j'aime pas Super Gadin et j'aime pas... On a compris, Loïs. Moi, je suis contente de les voir pour une fois. Tu peux y aller, Yvon. Petit. Je vais vous réchauffer. Thermoprout. Ben moi, ce que j'aime pas, c'est ceux qui n'aiment pas la bande des mini-justiciers. On aime la bande des mini-justiciers. On aime la bande des mini-justiciers. La bande des mini-justiciers, c'est toi le meilleur, même si t'es vraiment super petit. Elasto, escalier. Petit. Allez, ici, tous à la fois. Moi et encore moi. Il y en a que pour lui, c'est lourd. Oui, et il finit par faire n'importe quoi. Je voudrais pas être à sa place. Heureusement, son slip, il est costaud. Paco est à un fil de tomber du manège. À toi de jouer, Marion. Un toboggan de glace. J'ai une meilleure idée. Je vais réduire la nacelle. Ça ira plus vite. Petit. Monsieur Petit. C'est vrai, elle a raison. Ce serait bien si tu pouvais avoir un peu l'esprit d'équipe. En plus, sur ce coup-là, t'as vraiment pas assuré. Mais c'est Nathan qui m'a tout fait rater. Sans lui, j'aurais pu sauver Paco en 2 secondes. Je suis meilleure tout seul. J'ai pas besoin de vous pour être un mini-justicier. Ouais, t'es le meilleur. Et je n'ai pas besoin de copains qui me rabaissent. À mon avis, il va comprendre tout seul qu'il a abusé. Aïe! Ouais, en tout cas, pas question de le supplier de revenir. Mais c'est toujours pareil avec lui. On peut rien lui dire. À la moindre remarque, il se fâche tout de suite. Certes, mais il faut se mettre à sa petite place aussi. Quand on est complexé comme Yvon, c'est logique d'être plus susceptible que la moyenne. Enfin, de se vexer plus facilement, je veux dire. Mais il va revenir, vous verrez. Ah. Arrêtez! Au voleur, allez! Arrêtez-les! Au voleur! Stop! Vous allez tous
tout de suite rendre ce que vous avez volé. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Oh, pitié. Nous fais pas de mal, mon petit gars. Je vous aurais prévenu. Petit... Oh, je sais pas si t'as remarqué, mais plus c'est petit, plus c'est teigneux. Regarde-le. Oh, vous avez vu ce que j'ai vu? C'est pas mieux comme ça, Yvon. Merci. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Ah ouais? C'est pas toi qui nous a laissé tomber il y a moins d'une heure, peut-être? Vous arrêtez tous les deux. On réglera ça plus tard. Pour le moment, on a une voiture à arrêter. Oh, les gars, je suis vraiment désolée. Je sais, c'était une grosse bêtise de vouloir se la jouer solo. Parce que la bande des mini-justiciers, c'est un pour tous et tous pour un. J'arrive pas à freiner. Oh les gars, je suis vraiment désolée. Et je vous promets, c'est la dernière fois que je me vexe, les copains. Merci, bon, c'était super bon. Oui, vraiment, oui, vraiment super bon. Hé, on avait dit qu'il fallait avoir l'esprit d'équipe. Qui va débarrasser? Super Mini. Ça use les oreilles, oui. Vivement qu'on arrive au sommet. Moi, ça m'use le dos surtout. On voit que c'est pas eux qui portent les goûters de tout le monde. Allez, courage, on va bientôt arriver. En attendant, profite de la balade. Ce parc naturel regorge de trésors. Regarde ce gros rocher, par exemple. Il a plus de 10 000 ans. C'est fou. Incroyable. Je vais faire une pause. Oh non! Elasto au bras! C'est bon, je l'ai.
km à pied, ça use, ça use. Ça va, t'inquiète, j'ai la situation bien en main. Et voilà le travail. Bon alors, on l'a fini cette balade? Oh Nathan, tes bras, c'est terrible. Hein? Mais... Élastos aux bras. Oh, ils ne veulent pas redevenir normaux. Tu aurais dû nous attendre au lieu de vouloir jouer les héros. Maintenant, ils sont tout détendus. Je sais, mais je voulais rattraper ma gaffe. Ah, si je ne retrouve pas mes bras, je peux dire adieu à la bande des mini-justiciers. Je suis sûre qu'on va trouver une solution. Pas vrai, Elliot? Il y a plusieurs moyens de traiter les problèmes musculaires. La kinésithérapie, par exemple. La kiné quoi? Ah, la kinésithérapie. C'est une médecine basée sur les mouvements du corps. Si l'on tire sur ses bras, ils vont peut-être retrouver leur élasticité. T'es prêt? C'est parti! J'y arrive plus! Désolé, on va devoir trouver une autre solution, Nathan. On va essayer l'électrothérapie. Ça consiste à envoyer des mini-décharges électriques sur les muscles pour les stimuler. Marion, on va avoir besoin de toi. C'est vraiment injuste si tes bras restent tout mous. Stop! Merci pour ton éclair de génie, Elliot. Désolée. Je dois pouvoir trouver une solution sans danger. On va la trouver plus tard. On devrait déjà être rentrés à l'heure qu'il est. Nos parents vont s'inquiéter. Oh non! Qu'est-ce que je vais leur dire? Faut pas qu'ils me voient comme ça. Attends, je vais te prêter ma doudoune. Tu pourras cacher tes bras dedans. Tu risques pas de passer inaperçu avec ça. Ben quoi? C'est super tendance. Nathan, j'aimerais que tu retires la doudoune de Marion maintenant. Excuse-moi, maman, mais tu sais, j'ai pris froid en haut de la colline. J'en ai plein les bras de cette histoire. C'est fini, arrête de déprimer, Nathan. Elliot a trouvé la solution. J'espère, en tout cas. Je me souvenais d'avoir lu ça quelque part. Regarde, je l'ai retrouvé dans mon guide sur les parcs naturels du monde. L'Elastus detendus. C'est une fleur extrêmement rare qui ne pousse qu'en Australie. Les kangourous en mangent pour sauter encore plus haut. Je suis sûre que si on fait une infusion avec, tes bras seront de nouveau élastiques. Super! Qu'est-ce qu'on attend pour aller faire la cueillette des fleurs? Terminus, tout le monde descend! Oh non! Elles n'ont pas résisté à ton gaz, Greg! Elles sont trop fragiles! C'est vraiment fichu cette fois! On ne va pas baisser les bras! Là, regardez! Faut qu'on la récupère! Mais pas de prout cette fois, oh. Greg! Désolé, les amis! Je risque un gadin avec mes bras comme ça. T'inquiète pas, on va la ramener. Je te donne ma parole de super prout. Greg! Ah! Ça y est, je l'ai. Oh! Marion, attention! Il va y avoir un éboulement. Merci Yvon, tu m'as sauvé la vie. Oh, c'était rien du tout. Tiens, elle est pour toi. Enfin, prends-la, c'est plus sûr. Je tiendrai pas longtemps comme ça. Faut que je mette non, les Greg, gaz. Non Greg, si tu décolles, tu vas tuer la fleur. On doit tenir bon les amis.
Nathan compte sur nous, il faut l'aider. Ah. Vous aussi, vous pouvez compter sur moi. Grimpez, vite. Avec ou sans tes pouvoirs, t'es vraiment le meilleur. Tiens, bois ça, ça devrait fonctionner. Oh, ça ne marche pas. Je vous ai eu. Oh, très drôle, Nathan. Oh. Hey. Merci. Serre pas si fort, tu vas encore te détendre. À la télé, il y avait des extraterrestres et ils étaient déguisés en humains et ils débarquaient pour nous envahir. Ça m'a trop fait flipper. Sérieux? Bah, c'était rien qu'un film. Et en plus, les effets spéciaux étaient super nuls. Quel naïf ce Ferrand. Il est capable de croire n'importe quoi. Comment vous pouvez rigoler alors que les extraterrestres sont peut-être parmi nous en ce moment même? Ferrand, cesse de te dissiper et sors tes affaires, s'il te plaît. Comment elle a su que c'était moi? Grâce à son œil laser invisible caché derrière sa tête. Tu devrais t'asseoir avant qu'elle ne te désintègre avec. Zzz. Pourquoi personne ne veut jamais croire ce que je dis? Je suis sûre qu'ils sont déjà là, en bloc. Hey, faut descendre de ta planète, petit. Il faut absolument que vous me croyez. Vous êtes les seuls à pouvoir arrêter les extraterrestres avec vos super pouvoirs. Pourquoi faudrait les combattre? Si ça se trouve, ils sont super cool. Ça se voit que la maîtresse ne t'a jamais mis de punition. De toute façon, la science n'a aucune preuve valable de leur existence. Pas la peine de tomber dans la paranoïa. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut avoir un cerveau de mouche pour gober toutes ces bêtises à la télé. Ok, j'ai compris. Vous aussi, vous ne me croyez pas. Tant pis, je vais les combattre tout seul. Je croyais que notre rôle, c'était d'aider les autres, pas de les enfoncer. Je crois que j'ai une idée. On n'a qu'à faire semblant d'enquêter sur la maîtresse et on emmène Fernand avec nous. Comme ça, il verrait par lui-même qu'il s'est trompé. Super idée. C'est trop cool d'avoir changé d'avis. Là, un pistolet laser. Tu veux dire une agrafeuse laser? Vous pouvez y aller, les enfants. Hé, regardez, une carte secrète d'invasion de la Terre par les extraterrestres. Désolé, Fernand, mais c'est une carte de notre système solaire. C'est quand même bizarre qu'elle la planque dans son placard, vous ne trouvez pas? Marion, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Les extraterrestres, ça n'existe pas. On sait que c'est une blague. Inclinaison écliptique, 40 degrés. Vitesse orbitale, environ 29 km/s. On se retrouve plus tard dans la soirée. Vous voyez, elle donne les coordonnées terriennes. L'invasion est pour cette nuit, j'en suis certain. Vous me croyez maintenant? La carte spatiale de la Terre, ensuite le télescope, et maintenant son véritable visage. Tu avais raison depuis le début, Fernand. La maîtresse est bien une extraterrestre. Plus de temps à perdre. Faut qu'on les empêche d'envahir notre planète. Tu viens avec nous, hein?
D'après mes derniers calculs, il y a 76% de chances que cette affaire se passe mal. Enfin, vous ne vous en sortirez pas sans moi, donc je viens. Regardez, ils ont même préparé un buffet pour accueillir leurs amis. C'est ça, et dans 10 secondes, un extraterrestre va descendre d'une soucoupe volante pour prendre un verre. Vraiment n'importe quoi. Oui, j'avais raison, je vous l'avais dit, ouais. Faut attaquer sans tarder et prendre le contrôle de la soucoupe volante. Reste là, Fernand, c'est bien trop dangereux. La bande des mini-justiciers va s'en occuper. Félicitations pour votre costume, monsieur le président. Vraiment, il est superbe. Attends. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma soirée de bienvenue du club d'astronomie? Sympa, ma soucoupe volante, pas vrai? Ça fait toujours son petit effet. Je l'ai fabriquée moi-même avec ma tondeuse à gaz. Oh, c'est le club d'astronomie. Mais bien sûr, ça explique tout. La carte, l'observation des planètes dans le parc. Et son visage vert, ça devait être un de ses masques à l'argile. C'est Fernand, il n'est pas au courant, faut l'arrêter, et vite. Ma tondeuse à gazon. Je suis vraiment désolée de vous avoir entraîné là-dedans. À cause de moi, ça aurait pu super mal tourner. Oh, c'est pas grave. Au final, on s'est bien marré. Surtout quand tu as foncé avec la soucoupe volante. Ouais, ton permis intergalactique, t'es pas prêt de l'avoir, Astrid. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne va me croire demain. Alors que pour une fois, c'est bien réel. Chaque mission. Ton pouvoir est tellement nul qu'on se demande ce que tu fais avec les mini-justiciers. Merci beaucoup.
coup? Pourquoi je vous vois tout flou tout d'un coup? Mes lunettes! Ne vous inquiétez pas, j'y vois un petit peu quand même. Oh! J'avais prévu que ce genre de truc m'arriverait un jour ou l'autre. Alors, j'ai installé un système de localisation ultra perfectionné sur mes lunettes. Et tout ça, c'est à cause de ma stupide tornade. Et voilà! Vous allez voir, en 2 secondes, on va... Eliette, si tu veux, je peux m'occuper du récepteur. Je voudrais me faire pardonner. Ah... Tes lunettes sont dans le lac! Pas un peu de lunettes dans le lac! Attendez, les copains, je crois qu'elles sont ailleurs. Elles ont dû tomber dans l'égout. J'ai rien trouvé. Peut-être dans un manège, non? Ça suffit! J'en ai marre! On retrouvera jamais ces lunettes avec ton récepteur tout pourri! Et t'es content de toi? N'écoute pas, Eliette. Il suffit peut-être juste de changer les piles du récepteur. Non, il a raison. Mes lunettes sont perdues pour de bon. Sans mes super lunettes, je n'ai plus aucun pouvoir. Donc je n'ai plus rien à faire avec vous, les copains. Tu rigoles, j'espère, Eliette. T'as toujours un super pouvoir. C'est ta super intelligence. Avec ou sans tes super pouvoirs, tu seras toujours ma meilleure amie pour la vie. Et tu feras toujours partie des mini-justiciers. Tiens, en attendant qu'on retrouve les vrais. Je ne les vois pas très bien, mais je suis sûre qu'elles sont top. Alors, qu'est-ce qu'on attend, la bande des mini-justiciers? Vite, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Route en force! Sur toi. Même sans tes lunettes, c'est toi le cerveau des mini-justiciers. Ah! J'ai trouvé. Super Gada, envoie-moi sur le dirigeable. Bientôt plus de gaz! Garde ce qu'il reste pour regonfler le ballon de l'intérieur! Super Gada fera la rustine! Super Lunette, t'es génial! Auto-gonflage! Jamais ce que j'ai trouvé à l'intérieur du ballon. Ben si, mes lunettes. Ouais. Et comment t'as deviné? J'ai compris ce qui s'était passé quand j'ai vu le dirigeable et que le récepteur a bipé en même temps. Regardez. Bah ça, ça m'en débouche un coin. Oh là là!
Celle qui porte ça, la honte. Non, mais arrêtez, c'est celle que j'ai portée. Mais non, les tiennes, elles étaient super classe, pas vrai, les garçons? Oh ouais, super classe. De tel qu'une fête de la gentillesse pour inculquer aux enfants le respect des autres. Espèce de gros pif, je rêve ou tu viens de me traiter de teigneux là? Tu m'appelles pas gros pif, compris? Ok, gros pif, pouette. Sacha, fais bien attention. Si à la fête de la gentillesse, j'entends la moindre plainte contre toi, ce sera l'exclusion définitive, tu es prévenu. Bon bah voilà, si je suis là, c'est parce que j'aimerais bien plus être méchant. Excuse-nous, mais c'est difficile à croire. Attends avant de juger, Elliot. Si Sacha veut changer, il ne faut surtout pas le décourager. Et on peut savoir pourquoi tu veux devenir gentil tout à coup? Parce que si je suis renvoyé de l'école, ma mère m'enverra directement au pensionnat. Je reviendrai plus, elle m'a prévenu à la rentrée, je ne veux pas être loin de ma maman. Bon d'accord, on te croit. Tu as vraiment l'air sincère, Sacha, mais je vois pas ce qu'on peut faire pour toi. J'y connais rien du tout en gentillesse, moi, les gars. Alors si vous pouviez m'expliquer ce qu'il faut faire... Il faut que tu te persuades que tu peux changer. C'est une question de volonté, tu sais. Je suis gentil. T'as du bol que je sois super gentil! Prenez ma place, chère madame, je vous en prie. Dégage de là, microbe, ou je t'en colle une pour t'apprendre. Ben quoi? C'est pas un vieux. Je peux pas m'en empêcher. La méchanceté, c'est vraiment plus fort que moi. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Désolé, les copains. Mais tu vas partir en pension et tu ne reverras jamais ta maman. Calme-toi, Marion. On va t'aider pour la fête de la gentillesse, mais faut que tu y mettes du tien aussi, Sacha. Baisse d'un ton, le microbe. Ou Ok, je ferai de mon mieux. Pour te racheter, Sacha, c'est toi qui vas tenir la buvette. Tu serviras des parts de gâteau et des boissons, c'est compris? Et avec le sourire, je compte sur toi pour être gentil.
Tu n'es pas ridicule, ne t'inquiète pas. Et cette couleur te donne bonne mine. Il est trop chou, ton petit haut. Ils le font pour homme, tu crois? Fais gaffe, le malaise. Si tu me touches, t'es renvoyé de l'école. Il est con. À tous les coups, Groulou et sa bande vont provoquer Sacha. Il faut absolument l'aider à ne pas craquer. Cette fois, gentil ou pas, je mets vraiment pétard. Sacha, la maîtresse va te renvoyer. Attention, les enfants. Tu as utilisé ta force pour faire le bien. Bravo! Je suis très fière de toi. On a réussi notre mission, mais Sacha n'est pas devenu un ange pour autant. D'ailleurs, il ne nous a même pas dit merci, ni rien. Je crois que tu as parlé trop vite, Elliot. Regarde qui voilà. Salut la compagnie. Je suis juste passé pour prendre ma veste. Bon ben... à la prochaine fois, hein. Et merci pour le coup de pouce. C'était gentil. Ça suffit!